Plusieurs responsables organisations et partis politiques dans la ville Saint-Marc baillent opinion sur le débat qu'a fait sur l'installation du nouveau conseil présidentiel là. Après gouvernement démissionnaire Ariel Henry a d'accord publié décret création conseil là. Dans une interview, ancien magistrat Saint-Marc là baille la presse sur installation nouveau conseil neuf en blanc. Coordonnateur départemental la Tibonite là, parti politique Uniforce là, Charline Thompson, t'a réagi comme ça. Pour le conseil présidentiel là, moi je pense que on dit là trois qu'a fait. Et c'est démagogie le gouvernement lui-même l'a fait. Parce que je vous dis, dans la situation que le gouvernement ça mette le pays à camper l'autre gouvernement qui passe déjà, donc je crois que le pays n'a pas de dilatoire encore. Il y a un ensemble de monde qui a discrédité le conseil présidentiel. Moi, je pense que c'est malhonnête. Et c'est là où ils jouent nous. Ils disent non, nous c'est politiciens. Parce que pour quelle raison, pour quelle que soit la raison, moi je pense que c'est un conseil présidentiel qui peut gagner. Et le conseil présidentiel, ça, il réunit tout secteur dans la vie nationale. Là. Donc, puisque il y a tout secteur là-dedans, moi c'est là que le pays est capable d'avoir une chance pour être capable de râler en souffle. C'est international là, tout pour n'attendre. Par conséquent, moi je pense que le gouvernement doit prendre décision pour les publier. Non, monde qui fait partie conseil là. Pour ancien magistrat, problème non, pas un problème technique, c'est un problème politique, c'est une réponse politique qui pour résoudre crise là. Coup de cassation, c'est moins pas que l'on pièce instance. Coup de cassation, mais nous on est jugé mal nommé, ça c'est premier bagaille. Et deuxième qui bagaille dans coup de cassation, je dis on pas une crise technique, on dit une crise sociopolitique. Son crise politique liée, toute réponse pour valider son réponse politique liée. Là, long coup de cassation, là, on va dans la politique. Bon, côté parle, Rolmi Aksida, qui est secrétaire mouvement populaire, Balati Bonitla, Mopob, si pas gen un yen qui fait dans le jour qui vini là, yo pral passe à qui on l'autre vitesse. Dans ce sens, nous avons lancé un appel avec toute organisation de base, yo, avec toute organisation politique, yo, si dans le jour où le gouvernement n'a pas décidé, publier liste 9 mon conseiller qui va diriger le pays pour avoir un bon jeu de sécurité, pour le peuple qui a soulagé, pour le monde qui rentre Port-au-Prince, pour les marchands de Gavane, nous allons mettre pieds nous à terre. Et cette fois-ci, nous allons frapper pieds nous. Métropole Bazatibonite Saint-Marc, Junior Racine, la voix de l'Amérique.